deux. Laisse-moi où je crie. Je sais qui tu es. Un faux pas et j'hésiterai pas à me débarrasser de toi. Oh, je sais en profiter avec bonheur. À chaque fois que ça tourne mal, Démon y est pour quelque chose. Celle qu'il faut motiver, ce serait plutôt toi. Va-t'en ! Je commence à envisager de quitter la ville pour le mariage. Parce que ce sera vraiment dur de trouver une salle qui n'a pas été le théâtre des pires atrocités. Bonjour, Bonnie. Je m'appelle Sibyl. Ravie de te rencontrer enfin. C'est pas trop tôt. C'est vraiment du joli travail. Caroline, c'est ça? Je ne suis pas sûre pour l'entrée à dos de licorne, mais j'adore le satin. Et puis cette tiare, le dessin est ravissant. Je venais de commencer le collège quand j'ai fait ce classeur. Alors félicitations, vous avez autant de goût qu'une enfant de 11 ans. Ce sont les goûts de Bonnie qui m'intéressent. Le scrapbooking, c'est pas trop mon truc. Vous voulez quoi? C'est simple. Je veux savoir ce qui te rend si unique. Je voudrais comprendre ce qui fait qu'Enzo et Démon te mangent dans la main, tout aussi ravissante et manucurée qu'elle soit. Enfin, pour Enzo, je vois le style, l'attirance sorcière-vampire. Non, c'est le côté Démon de l'histoire que j'ai vraiment du mal à m'expliquer. Est-ce que vous avez déjà, tu sais... Non. Tout ce temps passé seul dans le monde prison, le même jour en boucle. Je sais qu'il y a un million d'autres personnes avec qui on préférerait être en ce moment. Mais... Quelques milliers, grand max. J'imagine qu'il fallait bien briser cette terrible monotonie. Non. T'es sérieuse? Écoute, tu es charmante. Je l'admets, je ne suis pas aveugle. Et je sais que Démon non plus, et je suis sûre que tu t'es rendu compte qu'il était très sexy. Sans jeu de mots, Démon est à se damner. Il ne s'est vraiment rien passé, c'était platonique. Waouh. Félicitations. Mais ça n'explique pas pourquoi tu inspires cette dévotion à ces deux hommes qui devraient m'être totalement dévoués. Alors je vous propose de vous asseoir, qu'on discute à cœur ouvert. Si je veux, je peux vous forcer. Mais c'est très douloureux, j'aime autant vous le dire. Et ça va abîmer vos belles coiffures.